Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. I lift my hands to the coming King, to the great
chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 85. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère. Tu as renoncé à t'emporter contre nous. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous, cesse de nous en vouloir. Resteras-tu toujours irrité contre nous? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne vas-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous retrouvions en toi la joie? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre pays donne ses produits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 86. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de tes fidèles, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu.
Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ton appui. Je me tourne vers toi, Seigneur, je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et généreux pour tous ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur. Aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leurs hommages, Seigneur. Car tu es grand. Tu fais des merveilles. Tu es le seul Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mise en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur. Je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense. Tu m'as arraché au gouffre de la mort. Ô Dieu, des insolents se dressent contre moi. J'ai affaire à une bande de brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi. Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, patient d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi. Accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur. Donne-moi la force. Je t'appartiens. Sauve-moi. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois, le chapitre 5. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devait la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en apportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit. « Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien,
Il cherche à m'entraîner dans un conflit. Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire, « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant, « Je pensais que le prophète sortira de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. » D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit, « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit, « Par le Seigneur vivant dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimmon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. » Élisée lui répondit, « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman partit. Naaman n'était pas encore bien loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit, « Mon maître n'a rien voulu accepter de ce que Naaman de Syrien lui offrait. Eh bien, moi, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. » Et Géasi partit pour le rattraper. Quand Naaman le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant, « Que se passe-t-il ? » « Tout va bien, » répondit Géasi. « Mon maître m'a simplement envoyé te dire que 2 membres
d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse d'Éphraïm. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Accepte de prendre 60 kilos d'argent, lui dit Naaman. Il insista et mit l'argent dans 2 sacs qu'il fit cela. Il prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses serviteurs qui accompagnèrent Kéasi. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé Ophel, Kéasi reprit les sacs et les habits et les déposa chez lui, puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Kéasi retourna auprès de son maître, qui lui demanda « D'où viens-tu, Kéasi ?»« Je ne suis allé nulle part, maître, » répondit-il. Mais Élisée reprit « Crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi ?» Mais ce n'est pas le moment d'accepter de beaux habits et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Quand Kéasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige. Ici se termine la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 1 à 23. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour te défendre. » Alors, Paul étendit la main et présenta sa défense en ces termes. « Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de tout ce dont les Juifs m'accusent, et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes des Juifs et leurs sujets de discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Tous les Juifs savent ce qu'a été ma vie dès ma jeunesse. Ils savent comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et peuvent donc témoigner, s'ils le veulent, que j'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Les 12 tribus de notre peuple espèrent voir l'accomplissement de cette promesse en servant Dieu avec ardeur, jour et nuit. Et c'est à cause de cette espérance, roi Agrippa, que les Juifs m'accusent. Pourquoi estimez-vous incroyable, vous Juifs, que Dieu ramène les morts à la vie? Moi-même, j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai reçu un pouvoir spécial des chefs des prêtres et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants. Et quand on les condamnait à mort, je donnais mon approbation. Souvent, en allant d'une synagogue à l'autre, je les faisais punir et je voulais les obliger à renier leur foi. Ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi
que je me suis rendu à Damas avec le pouvoir et la mission que m'avaient confié les chefs des prêtres. J'étais en route à midi, roi Agrippa, lorsque j'ai vu une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? C'est en vain que tu résistes, comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. » J'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur m'a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui et proclamer ce que je te révélerai encore. Je te protégerai face au peuple juif et aux autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. » Et ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel. Mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et aux membres des autres nations. Je les ai appelés à changer de comportement, à se tourner vers Dieu et à montrer par des actes la réalité de ce changement. C'est pour cette raison que les Juifs m'ont saisi alors que j'étais dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux grands. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, que le Messie aurait à souffrir, qu'il serait le premier à se relever d'entre les morts et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et aux autres nations. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir du livre des Actes des Apôtres. Ayant fait appel à la cour à Césarée, Paul, pour se défendre, fait une plaidoirie devant le roi Agrippa. Paul fait un exposé de sa manière de vivre dès sa jeunesse, tant au niveau personnel qu'au niveau religieux. Il se présente comme un homme rempli de zèle et de ferveur en tant que pharisien. Et ce zèle a fait de lui un persécuteur des chrétiens. Toujours dans sa plaidoirie devant le roi Agrippa, Paul raconte sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Et là, il raconte que le Seigneur Jésus lui reprochait de le persécuter. Jésus lui demande de se relever et il fait de Paul son serviteur et son témoin pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus là où il enverrait Paul. L'œuvre que Paul a à accomplir commence à Damas, dans les synagogues où il prêchait.
Quand les Juifs ont entendu Paul prêcher la bonne nouvelle de Jésus, ils étaient tous étonnés. Car pour les chefs des prêtres juifs et les pharisiens, Paul était à Damas pour persécuter les nouveaux chrétiens. Pendant sa vision, Jésus lui révèle sa mission comme son serviteur auprès des nations, où Paul aurait à ouvrir leurs yeux pour qu'elles se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Ils recevront la rémission des péchés et ils auront part à la vie éternelle. Paul a accompli son ministère auprès des nations vers lesquelles Jésus l'a envoyé. Paul était un envoyé spécial du Seigneur Jésus. Son enseignement était basé sur ces 5 points. Après avoir décrit cette vision devant le roi Agrippa, Paul lui dit qu'il a été obéissant à l'appel de Jésus. Depuis, Paul a commencé à prêcher la repentance et à se tourner vers Dieu. Cette conversion a commencé quand son auditoire a rejeté leurs mauvaises habitudes et a invité Dieu à les remplir de sa présence et de son amour. Une foi qui est traduite par des actions, une conduite exemplaire et une vie conforme à la volonté de Dieu. Paul, toujours avec ferveur, avec zèle, accomplit fidèlement la mission qui lui a été confiée par Jésus sur la route de Damas. Alors, Paul était très confiant de la protection de Jésus telle que Jésus lui avait promise lors de sa vision. Lors de sa plaidoirie, Paul parle aussi de la puissance de Dieu qui a relevé Jésus de la mort. Pour les Juifs, pour les Sadducéens, pour le roi Agrippa, c'était difficile de changer leurs croyances. C'était difficile de comprendre la résurrection de Jésus. Paul, tout au long de son ministère auprès des nations, mettait de l'emphase sur la mort de Jésus sur la croix afin de les racheter de leurs péchés et de sa résurrection le 3e jour pour donner la vie éternelle à tous ceux qui y croient. Paul, un persécuteur des chrétiens, a été converti, a été choisi par Jésus pour apporter la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Jésus l'a équipé pour une telle mission auprès des païens. Paul, qui avait la citoyenneté romaine, pouvait circuler dans les régions romaines où il pouvait évangéliser. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, remplis-nous de ton amour. Apprends-nous à croire et à vivre ta parole. Et fais de nous des serviteurs et des servantes fidèles et des témoins fidèles à ta parole. Équipe-nous, Seigneur Dieu, pour être à ton service et au service des uns des autres, selon ta volonté. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus. Amen. Je ne désire rien d'autre.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés,
tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec nous. Amen. Mon crier, Zibilé.